suis né pas très loin d'ici, à Pont-Audemer, donc à 25 minutes d'ici. Mais quand même, aller à Deauville, dans mon enfance, c'était quand même aller vers un monde un peu inconnu. Un monde auquel on n'avait pas totalement le droit. On venait en mobylette avec les copains, et puis on voyait justement, le premier endroit où on allait, c'était voir ces planches, justement, avec le nom des acteurs américains. Et ça se faisait surtout, effectivement, en été. En été, il y avait comme ça un goût de liberté, avec toutes ces couleurs, avec, entre parenthèses, comme ça, dans notre esprit à l'époque, c'est là où il y a des gens qui vivent pas comme nous, qui vivent pas comme à la maison. Il y avait ce cadeau qu'on s'offrait quelquefois en été. Je me souviens du festival américain, du film américain, où on essayait de s'introduire comme ça. D'ailleurs, j'ai tourné il n'y a pas longtemps avec Guy Marchand, et je lui disais qu'un jour, comme ça, on avait essayé de s'introduire avec des copains dans le festival, et puis il y avait Guy Marchand qui chantait, et on voulait absolument l'écouter chanter, et on s'est fait refouler, on était avec nos casques, et puis ça l'a bien fait rire. Maintenant je peux rentrer partout. Avant, si on arrivait à faire un pas quelque part, il y avait la sensation en même temps d'être accepté, et la sensation d'être un hors-la-loi. Et le cœur battait un peu là, dans les salles du casino, tout ça.